En vrai, jamais on va à Skellige aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'on ne va pas à Skellige? Si. Si, si, je pense qu'on va à Skellige aujourd'hui. Si, si. Merci Aldorido pour les 5 abonnements offerts, merci beaucoup. Merci Oxogo aussi pour le 6e mois. Geralt apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Geralt a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple. Geralt et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où, je l'ignorais. La voix toujours aussi peu forte pendant le résumé. Ah, mais qu'est-ce qu'on faisait d'ailleurs? Me dis pas qu'on est devant le passiflore. Laisse tomber, t'es pas en service. Non, c'est pas le passiflore. C'est quoi d'ailleurs? C'est un carquois. Ah mais non, oui, c'est le nouveau bâtiment bien sûr de Jaskier. Est-ce qu'on se referait pas un petit look? Laisse tomber. Si, j'avais dit que j'allais changer à chaque début de live. Parce que là, effectivement, quand même, je peux pas faire de tuning. C'est dommage. On va aller chez le coiffeur. Si, on va aller chez le coiffeur. Où est-ce qu'il est, ce coiffeur, déjà? On est à Novigrad, hein, toujours. On va regarder ce qu'on a à faire à Novigrad. Ah, attends, mais c'est quoi, ça? Dans la cour des grands, trouvez le scribe au passiflore. Mais non, mais tout me ramène au passiflore. Hein. Et inscrivez-vous au tournoi de Gwynns. Ah, Skellige, c'est pas dans l'heure, c'est sûr. Skellige, c'est pas dans l'heure, c'est sûr. Après, bientôt. Très pro, très bien, enfin vraiment. C'est à zap. À zap, à zap, à zap. Mais avant, le coiffeur. Il est où déjà le coiffeur? L'éternel protège-nous. Je sais plus où il est. Et un type vulgaire. J'ai une liste pour tous. Ils vont brûler nos maisons. Pourquoi? Je vous ai tous. Il leur a dit quoi? Je me rappelle jamais de où est le coiffeur. Que puis-je faire pour vous? Skellige pour la semaine pro. Non mais après le tournoi de Gwynns, normalement c'est 3 games, 3 wins, terminé. Hein. Me faire karma. Ma tante dit que je suis trop bavard. Oh, regardez. Je crois que le coiffeur n'est pas indiqué sur la map, sauf quand on s'approche de lui. C'est pas quelque chose comme ça? Parce que la dernière fois, il n'y avait pas de coiffeur sur la map. Vous avez fait un beau carnage à l'Opnuit. C'est pas du vrai feu. Votre présence est même un affront. Non, le blanc, je m'en reviens pas. C'était pas là. Toute cette cacaillerie sur votre dos, ça vous gêne pas? Merde. À côté du passiflore. Non, mais non, mais ça, vous dites ça pour que j'aille directement jouer au Gwynns. Chute de la civilisation, dépravation. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus où est-ce que... C'est toujours pas écrit là. Ah si, voilà. Barbier. Super. On l'a. On a les droits. On a les droits. Merci à l'anonyme aussi pour le subgift à MV, à Arachium. Merci Crazy aussi pour le 11e mois. Steam Coffee, merci pour le 2e mois. Artago, merci pour le 12e. Docteur Strikers, merci. Strikers, merci pour le 2e mois. Merci Jean Culassec pour le prime aussi, magnifique pseudo, quel plaisir. Merci beaucoup. Putain mais attendez, c'est pas là, je suis la quête là, pardon, excusez-moi. C'est ici. C'est exactement là. Bienvenue honorable gentilhomme. Bienvenue, merci beaucoup. Rasoir, ciseaux, lame, le tout affûté il y a quelques instants à peine. Ouais. Ah. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. C'est dans vos cordes? Oui. Comme son boulot. Adieu coupe horrible. Oh, je pense que... On peut faire pire. Alors, rassembler négligemment attaché derrière. Raser à l'exception d'une queue de cheval. Parce que là, je crois que je suis en... La coupe des rebelles elfes, c'est quoi cette histoire? Ouais.
Ouais. Bon. On va voir ce qu'il me propose là. Lâcher pas trop. Long et lâché. Monte comme ça juste. Merci Fitonia pour le cinquième mot, merci. Oh le BG. Ouais mais voilà aussi. Voilà, c'est quand même là il est extrêmement beau gosse, mais après c'est pas le but hein. C'est pas le but. C'est ça le truc. Rasé à l'exception d'une queue de cheval. Lâcher pas trop long. Lâcher pas trop long, ce serait un peu comme ça mais plus court je pense. Vas-y monte ça. Oh c'est propre. Elle dégradée. Non c'est même pas un dégradé frère. Il a fait ça propre. Oh super BG de ouf. Vas-y on se fait quoi une barbiche épaisse et une moustache courte. Là c'est moustache, ouais là c'est juste moustache. Une barbe un rasage de près. On va tenter ça pour voir. Juste la gueule que ça a. Ouais bon là ok bon bah là je vais aller au passiflore, on va se jeter sur moi non? Genre on va me payer moi pour vous voyez ce que je veux dire? Au revoir. Je reste comme ça pour aujourd'hui. Adieu. Adieu. Regardez-moi ça. La perfection au masculin. Adieu. Les comptes font les bons amis. Par contre, il a toujours une gueule, il est en pleine descente de LSD, quoi. Il se remet de ses émotions. Ça va le faire. Allez, ça va le faire. Oula, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pris une potion. Ok, une petite potion d'hirondelle, ok. Allez, on y va. Tiens, je vais méditer pour la potion, pour la récup au moins. Ouais, pour au moins récup toutes mes potions. Je médite jusqu'au lendemain, 6h du mat, très très matinal, le gerbe. Let's go. Merci à Diablo pour le 4ème mois, merci Cyrol pour le 8ème mois et Buried Haze, merci pour le 2ème mois aussi. Merci beaucoup. Hé, vous deux, dégagez. Hé, hey, maître chasseur. C'est quoi l'embrouille? Vous me gênez, moi. Range-moi ça. Fichez-moi le camp où on vous crippe de carreaux. Ok. Ouais, mais ils embêtent des pauvres, comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Ils prennent des pauvres et ils les humilient devant tout le monde en les arrêtant. Voilà. Reflet d'une société qui part en cacaboute. Ça dégoûte. Alors, le passiflore. Merci à Zulf pour le 2ème mois, Solzy pour le 5ème mois, même Line pour le 4ème, merci beaucoup. Oh mais ça va, j'ai même pas encore commencé, calmez-vous. Débrouille-toi tout seul. Ok, je prendrai ma main droite. Vous comptiez participer avec un jeu pareil? Il y a une blanchisserie dans les faubourgs. On pourra y laver. Connaissez-vous quoi le règlement? Mais il est là. Oui. Ah mais attendez, d'ailleurs j'ai même pas mis le mode. Attendez, je mets le mode optimisé, excusez-moi, hein. Écran noir c'est normal. Mode perf, ouais. Oh, je suis passé en mode perf, ouais. Oui. Attendez, d'ailleurs, hop là, tac. Excusez-moi, oui, complètement. Ok. Bien sûr, je veux participer au tournoi. Évidemment, je ne vois pas mon interlocuteur. J'ai ouï dire qu'on misait gros ici. Avant toute chose, il convient d'avoir les effets nécessaires. Jetons un œil à vos cartes, voulez-vous? Les cartes sont en ordre, mais l'inscription est-elle dans vos moyens? Oh 1000. Mille. Petite 1000 balles. Petit 1000 balles. Faut pas de choc. Bon, vas-y, petit 1000 balles. Allez. Fort bien. Il ne manque plus qu'un nom pour délivrer le bon d'entrée. Gérald de Rive. Gérard de Rive. Non, non.
La partie va commencer dès que la plèbe aura été évacuée. J'ai Ralt. J'ai Non. Ok. Ralt. Terrif. Elle était à la fin. Ouais, et on peut pas. Participants au tournoi uniquement. Tous les autres, dehors. Vous êtes cordialement invités à revenir demain. Ah, ça va être un gros tournoi là, faut focus un peu. Tiens, tiens. Geralt de Rive. Et moi qui craignais que ce tournoi ne m'ennuie à mourir. Plumer des paysans, des voyous ou de prétendus aristocrates ne me procure aucun plaisir. On se connaît. Ouf. Disons que nous avons des amis communs. J'ai entendu beaucoup de bien à ton sujet, avec force et détail. Dans un tel lieu, c'est plus un avertissement qu'une recommandation. À qui ai-je l'honneur ? Sacha. Sacha comment ? À moins que tu ne me dises directement ton vrai nom. Dans un tel lieu, il faudra se contenter de Sacha. Tu as l'air de connaître tout le monde ici. Tu viens souvent au Passiflore ? De temps à autre. Tous les visages ne me sont pas familiers, mais celui-ci, c'est Patrick Noisetier. Ces trois-là ne le quittent jamais d'une semelle. J'ai connu la guerre un homme qui voyageait avec deux guerrières éricaniennes en guise d'escorte. Mais ces trois-là ont à l'évidence d'autres talents. Le Halflin, c'est Bernard Tulle, un fermier. Il affirme jouer par plaisir. Mais tout le monde joue pour gagner, n'est-ce pas? Méfie-toi de celui-ci. Il apprécie peu les parias, les gens différents comme toi. Ironique dans la mesure où Phinéas est un demi-elfe. Quant au comte Tybalt, tu en as sûrement entendu parler. C'est lui l'organisateur de ce tournoi, après tout. Non, jamais entendu parler. Il est réputé pour sa fabuleuse richesse. J'ignore à quel point c'est vrai. Mais il est parvenu à s'offrir son titre et le comté qui va forcément avec. Ok. Très bien. À plus tard, Sacha. Efforce-toi de discuter avec les autres joueurs avant le début du tournoi. De toute façon, nous devons attendre le comte Tybalt. Ouais, mais tu sais ce que je vais faire, je vais tuer. Et surtout sauvegarder, oui. Surtout sauvegarder, oui. Oui. Tu peux pas comprendre parce que toi t'es un personnage de jeu vidéo, mais moi je suis un joueur de jeu vidéo là. Là t'inquiète que je vais sauvegarder, ouais. On fait ça. Ok, ici, alors. Ou chez moi. Oui. À toi de voir. Pardonnez-moi, mais je dois me concentrer avant le tournoi. Je vois ça. Oui. Cela me sera sûrement plus profitable que votre tête-à-tête avec Sacha. Méfiez-vous d'elle. À mon avis, Sacha, ouais, c'est... Oula. D'accord. Ok, c'est un tournoi de cartes, normalement. Moi aussi, je suis nouveau ici. J'en ai bavé pour réunir la somme nécessaire à l'inscription. Les champignons, ça n'enrichit pas son halflin. Vous êtes vraiment fermier ? J'ai l'air d'autre chose. La fermette est aux abords de la ville. Je pourrais y rester assis des jours entiers à regarder les choses pousser. C'est quoi cette odeur ? Quelle odeur ? Enfin, c'est pas tant les champignons, mais faut bien s'en évader un peu. Ma bourgeoise était en larmes. Elle a dit que Novigrad est un coupe-gorge. Ce à quoi j'ai rétorqué, Hortensia, imagine-toi, les meilleurs joueurs, les cartes les plus rares. Elle a pas su me retenir. Très bien. Bonne chance à vous. Pareillement. Ce bel esprit vous honore. Je pensais pas qu'on allait... Comme ce demi-elfe là-bas, toujours à me jeter des regards noirs. Ok, en fait je pensais pas qu'on allait se lancer dans un tournoi aussi huge, si vous voyez ce que je veux dire. Là ça va être... Ok, c'est la ligue Pokémon quoi. Quoi ? Vous participez souvent à des tournois ? En quoi ça te regarde ? Tu veux voir mes cartes peut-être ? J'ai l'air d'un mignon qu'on peut caresser avant de faire son choix. Tu dois armer la queue aussi ? Je verrai tes cartes quand nous jouerons. Je doute que tu ailles si loin, mutant. Okay. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre tournoi de Gwyn fermé. Et par fermé, je n'entends pas seulement son caractère élitiste. Quitter le Passiflore avant la fin du tournoi est synonyme de disqualification. Oh. C'est la règle numéro 1.
Règle numéro 2, 3 et 4, ni bagarre, ni triche, ni tour de magie. Nous jouons pour des figurines en or. Le vainqueur les empochera toutes, ainsi qu'une dotation égale à 9 fois l'inscription. Oh bah attendez, le calcul est rapide. Nous avons 9 participants. C'est très value, hein. Le tournoi consiste en 3 manches. Le finaliste aura l'honneur de m'affronter. Mais je peux pas gagner. Les joueurs seront à parier aléatoirement. Le tirage au sort de la première manche va vous être communiqué. C'est ingagnable. Phineas et Tim Knott. Patrick Noisetier et Harald Fessplume. Gervalt de Rive. Non. Et Bernard Tull. Bah, eh bien, ça par exemple. Ouais. C'est Gérald. Moncier Frontenstrock. Et. Pfff. Madame Sacha. Parfait. Bonne partie à vous tous. Ok, je vous cache pas que. Alors. Excusez-moi, je m'attendais pas du tout à une pression si, aussi monstrueuse. Hop, je pensais pas que ça allait être, que ça allait être le quelque chose comme ça, quoi. Je suis un petit peu stressé face à cette situation, mais je crois que j'ai mon premier joueur, hein, qui est juste ici. Ça va être chaud. Merci beaucoup Fibre Humain pour le deuxième mois, merci Rashkid pour le 15e, Ripticide pour le 4e, Kanaïsi pour le 2e, et Sagatara, merci pour le 5e. Merci beaucoup. Ah, enfin. Dans un an, je régalerai encore Hortensia et mes garçons du récit de cette soirée épique. Jouons ! Jouons. Merci Jérém pour le troisième en T2. Pierowski, merci pour le troisième mois aussi. Ok, bon, j'ai un deck qui est particulier, attention. Hein. J'ai un deck qui est ce qu'il est. Ce qu'il est dans les deux sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parti. Merci Washi Eagle pour le prime. Ok, double leur brouillard. Triple commando. J'ai pas de raise. Bon, double leur brouillard, c'est ok. Je vais peut-être. Vu que j'ai brouillard, je vais enlever la 5 là. J'enlève la 5 là. Triple leur. Ok, envoie-moi des espions juste pour voir par curiosité. Je vais peut-être envoyer le chasseur aussi, puisque de toute façon j'ai brouillard. Ok, dommage. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Son commandant fait quoi? Ok, il m'envoie triste. Ok. Son commandant fait quoi? Détruisez les unités de combat de siège les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée de ces unités de siège est d'au moins 10. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra l'utiliser quand j'aurai mis 6 et 8. Là, ça, ce truc, c'est que du coup, je connaissais pas. C'est pas grave. Go, go, on continue. Ok, donc ça veut dire que pour le moment le seul espion qui m'a joué c'est un espion que je ne peux pas récupérer. Bon bah c'est loose. Ok, je peux le récup, ça y est. Ok, let's go. Ça m'est bien. Je vais le récupérer, ça me fera au moins 2 cartes en plus. Je vous rappelle aussi que si... Chaud. C'est chaud. Mais on va passer, je pense. On va passer, hein. Je pense qu'on va passer, là. Que là, c'est difficile, ouais. C'est 100% lose, en fait. On passe au moins ça, on va voir ce qui se passe. Bon, il va passer aussi, il gagne, terminé, bonsoir. Ok, très bien. Étant donné que mon 6 et 8, il va les détruire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es une très jolie fleur. Le mec il sort une carte que moi-même j'ai pas, c'est moi sur la carte. C'est non. Bon bah bravo. C'était un beau duel, beau combat. C'est chiant. On va mettre ça quand même.
Nice. Très nice. Nice. Ok, c'est pas fini. Il a passé. Alors, je peux pas jouer mes espions parce que sinon ça va le faire gagner. Par contre, vu qu'il a passé... Ah, dommage. Oh non, j'ai autant que lui avec ça, c'est trop chiant. Catapulte, j'ai 15. Ouais, mais 15, s'il y a égalité, qui... Je sais jamais ce qui se passe en cas d'égalité. Parce que du coup, ouais, j'ai une catapulte qui fait ça, mais... Ok. Je sais que ça paraît incroyable ce que je vais faire. Je sais que c'est dingue ce que je suis en train de faire, mais je vais quand même faire ça. À 25. La cata, de toute façon, il pourra pas la détruire parce que j'aurai pas au-dessus de 10, je pense. Et j'ai ça. Et je vais faire ça. Si je mets 4, ça fait 20. Si je mets ça, ça fait 19. Sauf si je mets la cata, ça fait 20. Donc je peux pas faire ça, donc je vais quand même faire ça. Il faut quoi dans ce tournoi de fin du jeu? Sérieux, c'est un tournoi de fin du jeu? Bah on se le tente. Ok, bon, je gagne au moins ça, je vais piocher. Pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Hein? Non, pas dingue. Ah, peut-être. Oh non, pourquoi ça? Oh, j'ai tellement pas de chance, pourquoi je pioche des trucs de derrière? Ok, ça qui va cover tout le reste, ça c'est un peu chiant. Dommage que la 10 elle cover tout. Merci Aldo Rido pour les 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Merci MacBookie aussi pour le 10e mois. Merci à l'Anonyme pour les 100 bits. À Victor aussi pour le 3e mois. Estia pour le 16e. Proximity, merci pour le 2e. Placoder, merci pour les 100 bits. Watch Eagle, merci pour le Prime aussi. Merci à vous. Petite galère parce que le 10 fait cover. J'aurais pu tout supprimer là, mais le 10 fait cover, je suis un peu deg. Merci la poutre Roy. Merci beaucoup. C'est dur, hein. Ah, terre brûlée, ça détruit qu'une 10 là, hein. C'est un peu galère. Hein. On peut peut-être essayer de bait ça, non? On peut peut-être essayer de bait ça. Non? Peut-être pas mal. Je réduis ça. Je vais essayer de le bait. Et il joue kata aussi. On va bait ça. Donc là il me sort un 6-8. Si je fais, à mon avis, si je mets 6, il détruit mes deux kata avec sa carte. Je pense. Ah, si seulement je pouvais détruire cette 10. Là je... Ouais. J'ai 4-8 que je pourrais tuer. Ok. Je tente un truc.
Ok, bien joué, je pourrais faire contre ça, bien wesh, bien wesh. Ça c'est bien. C'est bien. Quel deck de fou. Ah ouais, quel deck de fou. Là, je peux détruire une 14. Voilà, juste détruire une 14. Ça met bien, mais c'est chaud. Ah bah c'est difficile. J'espère qu'il a rien pour Rez, sinon ça me met mal. J'aurais dû terre brûlée quand il y avait les trois là, j'ai hésité en plus. Aïe, j'aurais dû. Oh, il Rez. Il va Rez ça. Un espion. Oh ouais. Oh, il a un deck de fou. Après, j'ai une main de merde aussi. J'ai une main naze aussi, hein. Si je vais faire ça, je pense qu'il va utiliser ses trucs pour détruire, je pense. Quoique non, ça fait 7. Vas-y, je vais brouillard, hein, de toute façon. Il a récup quoi? Il a récup un espion? Ah ouais, c'est... Ah, j'ai eu j'avais 3 leurres. Ouais. Deck de fou. Oh, ça me sort des cartes que j'ai vraiment pas. Hein. Oh, ce deck de fou. Il avait une main espion. Ah, moi c'est fini. Hein. Moi c'est fini. Hein. Ça s'arrête ici de mon côté. C'est une fin de game. Fin de rêve. C'est terminé. Recommence. Ah, je sais pas si... Je fais ça, hein, histoire de... Il va me détruire mes catapultes, mais bon, c'est histoire de jouer. Voir un peu ce qu'il aurait pu me sortir, quoi. Ouais. Ok. Je pense que... Ouais. Je pense qu'on va reload et on reviendra plus tard, non? En fait, c'est le tournoi final du jeu, c'est ça? C'est le tournoi ultime de Gwent, en fait. Ah, ok. Ok. Eh bien, qui l'eût cru? Merci pour cette belle partie. Mort, tour 1. Alors, comment s'est passée cette première manche? Mort. Le tournoi est fini pour moi. J'en ai peur. Pas nécessairement. J'ai une proposition à te faire. Si nous montions, la vue est superbe depuis la terrasse. Quoi? Oh non, moi je vais juste reload, non? Quoi? Non mais en fait, on va reload. Bon, on va voir juste histoire de voir. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'elle me pousse, quoi. Ok. On va juste voir au cas où. Qu'est-ce qu'elle... En fait, qu'est-ce qu'elle veut, Sacha? Je comprends pas. La vue, vraiment? Escadron noir, redanien... Soit. Qui paye et qui cogne pas. Soit, monsieur. Soit. Oh, il est gratuit, ce buffet. Soit. Sacha? Ah. Enfin seul. De quoi souhaitais-tu me parler? D'une petite fortune, la dotation du tournoi. Ah mais c'est du spoil. Ah, c'est du spoil en fait. Alt F4. Laissez-moi quitter ce jeu. Contrôle Alt Sup, gestionnaire des tâches. The Witcher 3. Ah, quand même, hein. Ça utilise... Ah ouais, quand même, 3,4 mégas
De RAM. Putain, c'est... Ah ouais. Quand même. Fin de tâche. Fin de tâche. Oh, quand même. Giga, giga, giga. Giga, giga, giga. Quatre giga. Giga, giga. 3 mégas, c'est une disquette, frérot. 4 giga, giga, giga. C'est rien. Oh, moi, ça, je trouve ça beaucoup. Allez, on rallume. Les oiseaux se sentent pour la nuit. C'est pas énorme. Oh, moi, je trouve ça beaucoup, quand même, 3,5 giga de RAM. Allez. Mais ce ne fut pas si simple. Ouais. Geralt a appris que je t'ai trouvé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Geralt a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple. Geralt et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où, je l'ignorais. Ah non. Ok, alors. Ok, d'accord, ok. Alors, comment alors, s'est passé okay. cette preuve? Le tournoi est... Ok. Sans façon. Pour être franc. Voilà, hop. Échec de la quête. Échec de la quête, bien sûr. Bien sûr, charger une partie. 13... Je pense que c'est celui-là. Non. Ça, c'est manuel. C'était avant le tournoi, du coup. J'avais déjà dit oui. J'avais déjà dit oui. Dans la cour des grands. Ah, j'avais déjà dit oui, là. Je sais plus. 13h. Non. Non, non, j'avais pas dit oui, là. Sauvegarde automatique, j'avais pas dit oui. Je pense qu'elle est bonne, cette sauvegarde. Je pense qu'elle est bonne, cette sauvegarde. Geralt apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Merci à Iclochi pour le deuxième mois, merci Nicolas pour le 11e mois, Novaremi, merci pour le 7e, La Capote, merci pour le 4e, Joli Coup, merci pour le 3e mois, Izoï, merci pour le 3e mois aussi, Sacoche, merci pour le 2e, Heroes Beer, merci pour le 2e aussi, Ziblit, merci pour le subgift. Merci Oniridor aussi pour le 5e mois. Kalaand Kun, merci pour le Prime. La Poutre Roy, merci aussi pour le Prime. Merci beaucoup. Je viens d'arriver, il se passe quoi? En gros, voilà, on est au barbier. Nickel, super. Ah, on n'a pas changé notre. Ah, si. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a testé un tournoi de Gwyn qui s'avère être probablement un peu le tournoi ultime du jeu. Et on est mort tour 1. On est mort tour 1, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on le fera plus tard. On le fera plus tard, ce tournoi. Parce que clairement il me manque plein de cartes et tout, donc on le fera à terme. Quelle vie monotone, sans quelques-uns. Alors. Ah, des manuscrits sans... Donc du coup. Hors DLC, oui peut-être, je sais pas du tout. Du coup peut-être Skellige, hein. On va voir ce qui se passe. Donc quête principale, on est d'accord, c'est un cap sur Skellige, hein, depuis le niveau 16 qui nous est demandé. Les traces de Ciri, bon bah c'est un peu l'histoire. Ça après c'est du DLC, 32-34. Donc là si on regarde les quêtes secondaires par exemple, hein, au hasard. Dans la cour des grands Novigrad, trouver le script pour le tournoi de Gwyn's. C'est pas pour nous, on est d'accord. C'est pas pour nous. Les points sur les i, Novigrad, battez Archibald O'Neill. Donc Geralt a appris qu'une série de combats à main nue était... Ah mais oui c'est vrai. On est obligé. Il avait pris part à de tels combats par le passé et prenait plaisir à marteler le crâne de quelques balours avec ses poings. Il décida donc de participer. Bagarre. C'est juste la bagarre. Je pense que ça prend pas beaucoup de temps, ça se fait ça. Skellige, on ira bien sûr. Niveau conseiller, 23. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein. Il y avait cette donzelle dans les parages qui nous jetait de ses regards noirs. Donzelle, non, c'est pas un rage. Get ready for the next battle. Merci Spreiser Ju pour le troisième mois. Merci beaucoup. Quoi? 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 Qui? Ok, je vois. Ok, viens là. Finissons. Ok. Moi, je suis niveau 18 là. Si vous posez la question, je suis niveau 18. Ouais,
Non, bordel, je sais foutre rien. Il était un petit chat. Ok. On va remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Pourquoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui? Pire phrase de vendeur. Ça n'a jamais marché. Oh, j'avoue, je vais tout acheter maintenant, j'avoue. Oh, j'avoue, maintenant que vous le dites. C'est peut-être le meilleur jour. Car les sorcières sont la source du mal. Elles fraient avec les corps. Ils entrent, s'ils en ont tellement envie. Les escadrons. De vagabonder ici. Quelle difficulté? Alors, je suis en difficulté, On avait remis 4 sur 4 ? Attendez, je vais checker la difficulté, c'est une très bonne question. Je sais plus si on avait modifié. En fait, j'étais en 4 sur 4, on avait PC pour une 4 qui était beaucoup trop au niveau pour nous. Moi aussi, je suis en 4 sur 4, et Gwent aussi. Gwent 3 sur 3, et difficulté 4 sur 4, après bon. Encore une fois, le retour que j'ai à faire sur ce jeu, c'est que c'est... Le point fort de ce jeu, c'est pas vraiment le gameplay, et au final, j'ai l'impression qu'en montant la difficulté, on a surtout affaire à des sacs à PV avec encore plus de PV. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi, dans l'idée. Mais c'est pourtant clair que notre champion... Je modifie pas le gameplay ni rien. Oui, toi, t'es qui? Il est où, Archibald? Titan? Novigrad. Quoi? Vous appelez ça une vie? Vous êtes honneur? Ça pour élever les cochons ensemble. Ouais. Monsieur? Ah. Je réfléchis, ça se voit pas. Je réfléchis, ça se voit pas. Voilà. Alors, je réfléchis, ça se voit pas. Qui prend... Ah, il est là. Je m'appelle Gérald. Pas de Gruber, c'est moi qui prends les paris. Vous voulez vous battre? Bah, parlez-moi un peu de ces combats-là, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais en savoir plus sur les combats. Eh bien, les combats sont organisés à Novigrad, à Velen et sur l'archipel de Skellige. Dans chaque région, vous devez vaincre 3 concurrents avant de pouvoir défier le champion local. Gagné contre les champions de Velen, Skellige et Novigrad, vous décrocherez le titre prestigieux de champion des champions. Je suis prêt à me battre. Ponce, en même temps, t'as upgrade aucun sort, tu n'utilises jamais de huile et potions adaptées, c'est toi qui te brides dans le gameplay. Bah en fait, je vois ce que vous dites quand vous me dites ça, ouais mais en même temps machin bidule. Oui mais le truc c'est que bah j'en ai pas besoin quoi. En tout cas pour le moment, tu vois. C'est pour ça que... Si je peux faire le jeu sans utiliser ça, c'est que du coup le gameplay, bon, il y a un truc un peu pas dingue non plus. Donc ouais, c'est vrai que je me bride dans le gameplay en mettant pas de... Enfin, en mettant pas, j'en mets parfois, mais pas trop d'huile, de potions, de machin. Mais si, pour tuer des sacs à PV. Oui, voilà, mais la seule différence si tu fais ça, c'est que du coup les sacs à PV te paraissent moins remplis, c'est tout, quoi. Je suis prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez entendu? Un combat, enfin! Mais c'est pas... Champion Archibald, vous voyez ce que je veux dire? Contre Gérald. Allez! Enfin, c'est pas parce que tu mets des huiles sur ton arme que du coup le gameplay du jeu est trop bien en fait. Pas sûr, ce que je veux dire. Incroyable là, par contre, en ferme et en garde. Par contre, je pense que je me prends un coup, je meurs. Ok. Waouh! Ouais, il faut vraiment que je le contre au bon moment, mais c'est chaud. Aïe! Aïe! Oh! Ouah, c'est chaud quand même, hein. Là, ça va être chaud par contre. Waouh! Ok, je suis mort. Archibald O'Neill est 24. C'est pour les niveaux 24, hein. Donc c'est 23. Donc c'est faisable, mais c'est chaud. Il me fait. Pour résumer. Embrasse le cul aujourd'hui. C'est... Attendez, c'est... Pour les niveaux... Ouais, c'est ça, 23. 18. Je pense que c'est faisable quand même. Je pense que c'est faisable quand même. On retente. Il est où? Il est là. Je veux ma revanche contre Nîmes. Oui. Parfait. Allez. Je mets pareil, 50. Je suis prêt. Allez. Que 5 levels de retard. Ouais, après 5 levels de retard quand t'es niveau 18, c'est quand même énorme. Vous n'apprendrez donc jamais. Ouais,
Le fight se passe ultra bien, je suis en train de le perfect là. Je l'ai perfect. Oh, attendez. Voilà. Voilà! Mesdames et messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations, Gérald. C'est un beau combat. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad? Ma foi. Si vos points vous démangent encore, vous pouvez toujours défier le capitaine de la garde. Bien sûr. Bien sûr qu'on va aller défier le capitaine de la garde, ouais. Évidemment. Merci Mr. Drift pour le 17ème mois en T3. Merci Last Night pour le 3ème mois aussi. Merci Mr. Pomme de Pin pour le 13ème mois. Les yeux verts de Ponce, merci beaucoup pour le 13ème mois aussi. Sindouk, merci pour le 13ème. Team Key, merci pour le 7ème mois. Eclipse, merci pour le 8ème. Et Vénus, merci pour le 3ème mois. Merci beaucoup. Ça se fait au final la petite bataille de points. Ça se fait, hein. C'est quoi ça? N'oubliez pas, braves gens, qu'un feu allumé ne peut être... ne peut pas pipopipopapa, ouais! Une info, ma foi. À prendre avec des pincettes, si je puis dire. Il y a une curieuse vérité de ma femme ici. Les escadrons noirs ont pris mon fils. Hop, hop, hop! Battez Mortimer l'inflexible. Ah. Mortimer, on l'a déjà croisé, Mortimer l'inflexible? Mortimer l'inflexible. Mortimer l'inflexible. Il est où le preneur de Paris là? Un mot de travers et je vous fais mettre. Suis Gérald de Rive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêt à affronter le capitaine Mortimer. Ça me fume. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe d'où vous venez, le plus important est juste de pulvériser la gueule de votre adversaire. Let's go. J'avoue, on dirait la voix de JDG. Allons-y. Allez. C'est vrai. C'est vrai qu'on dirait un peu la voix de JDG, je suis d'accord. Attends. Oh, ok. Ce sera peut-être pas pour maintenant. Mortimer l'inflexible a vaincu Gérald de Rive et conserve donc son titre. La tête de Gérald. Arrêtez. Ok, on refait. Je veux une autre chance. Bien sûr, Mortimer. Bien sûr. Si ce gueux veut une autre dérouillée, je suis son homme. Ok, ok, vas-y l'inflexible, vas-y. Les parades. Non mais je sais, je les ai juste ratées, mais vous en faites pas, hein. J'ai fait que ça hein, sur le perfect de tout à l'heure. Allons-y. Ah, du coup, c'était pas du tout un perfect, mais. Allez. T'es obligé. En fait, t'es obligé de faire des parades. Allez. Voilà, comme ça. Et là. Allez, amène-toi. Tu fais des esquives, pas des parades. Bah si, si, là, là je viens de faire que des parades là. Hein. Ça c'est une parade. Ça c'est pas une esquive, c'est une parade. Je fais que des parades. Bon, là par exemple, je me suis pris ça dans la gueule. Putain, le timing. Ouais, ça va être chaud. Ah non, dommage. Ok. Faut refaire. Faut refaire. C'est mieux les esquives. En fait, l'avantage, des parades, c'est que derrière, les coups que tu vas lui mettre, ça va le toucher vraiment, tu vois. Et je vous fais mettre. Je veux une autre chance contre Mortimer. Je veux une autre chance. Ce gueux veut une autre dérouillée. Je suis son homme. En fait, les esquives sont plus simples, mais les parades te permettent vraiment de lui mettre super cher derrière. Quoi. Allons-y. Allons-y. Garde. Allez. C'est beaucoup mieux les parades, hein. C'est juste que les parades, bon bah, tu prends le risque de te prendre un coup dans la gueule, quoi. Voilà. Thank you.
extrêmement focus sur ce fight. Là, je pense qu'on peut le terminer. Voilà. Perfect. Perfect. Geralt de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad, Durdan le Tailleur. Vous le trouverez dans les faubourgs, où le combat aura lieu après le coucher du soleil. Let's go! Le combat aura lieu après le coucher du soleil, ok. Ça met des grosses patates. Ça se fight, hein? Le duc des Astréides, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Pompon, t'es pas chaud de faire mon partiel d'électromagnétisme à ma place dans une semaine? Ouais, tu vas rater ton année, quoi. Moi, c'est... Y'a aucun souci. Alors, mais tu risques de rater ton année, je pense. Ouais. Un petit contrôle d'électro. Complètement. L'ordre doit régner. Donc là, je pense que je vais... Donc le tailleur... Donc là, je vais me battre contre le champion. Le champion de Novigrad. Donc potentiellement le meilleur combattant de Novigrad à main nue, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? J'en ai marre de tout ça. Un problème? Je sers le feu éternel. Ponce, pourquoi tu ne fais pas les quêtes secondaires plus bas niveau pour monter petit à petit? Sinon, elles te paraîtront vraiment trop simples vu que tu prends tout le temps du level. Bah parce qu'en vrai je peux pas tout faire quoi. En fait c'est ça le truc, c'est que je fais autre chose du coup. On peut pas tout faire hein. Mais je pense que de toute façon concrètement il y a beaucoup trop de contenu pour être toujours au... Je pense que si tu fais vraiment tout, tu vois genre les quêtes secondaires machin bidule, t'es toujours beaucoup plus haut niveau que ce que t'es censé faire. Tu vois, et même en difficulté 4 sur 4, genre là la quête c'est quoi? C'est du niveau... Là je suis en difficulté 4 sur 4, c'est une quête de niveau 23 et je suis en train de la faire tu vois. Alors que je fais pas les quêtes secondaires, donc si en plus je fais les quêtes secondaires, le jeu risque d'être un peu chiant, je pense. Je pense. Nous attendions. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Ok. Comment peux-tu espérer me vaincre? Je vais te pulvérer. Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Velen. Cet elfe est fort en gueule, c'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Allez, viens là. 120 balles, évidemment. Je suis venu pour combattre le tailleur, je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Geralt de Rive affrontera le tailleur. Approche, Trouduc. Tonton Durden va te tailler en pièces. Ok, Trouduc qui m'a appelé. Super. Merci Anaïs, merci Toré. Merci pour vos subs, Rissob. Merci beaucoup. Alors, allez voir. En fait, c'est ça le problème. Tu rates une parade, ça te met... ultra mal. Ça va être chaud. Non. J'ai grid. My bad. Merci Vosti. Merci beaucoup pour les 5 subgifts. Regarde-toi dans le miroir et souviens-toi que ton nouveau visage est l'œuvre du tailleur. Durden remporte le combat et conserve son titre de champion de Novigrad. T'inquiète, il est prenable, vraiment. Je veux ma revanche contre le tailleur. Merci Xeliok pour le prime, merci beaucoup. C'est vous qui voyez? Bien sûr que je veux. Et je mets toute ma thune. Je suis prêt. Allez. Allez. Installer leur boucher, hein. Ah mais attends. Attends. J'écris encore. Allez, approche. J'écris. Regarde tout. Ok. Durden,
Vas-y, reviens. Je veux ma revanche. Oui, vas-y. C'est moi qui vois. Ouais, go. Toutes mes thunes. Il est chaud, hein. Il est très chaud. Je suis prêt. Allez. Il est très chaud, hein. En fait, à chaque fois, je me prends le premier coup en me disant, mais. Ah! Voilà. Alors, on a les voix. Oh, il m'a tellement feinté. Il m'a tellement feinté. Regarde-toi dans le miroir. Il est trop chaud. Souviens-toi que ton nouveau visage est l'œuvre du tailleur. Durden remporte le combat et conserve. L'honneur sera au rendez-vous. La chair monte et ça vient que c'est sûr. Je veux ma revanche contre le tailleur. Tu perds tous tes sous, oui, mais on s'en fout. Ok. Allez. Je suis prêt. Allez! Voilà, le premier coup que tu me mets pas cette fois. Mais mal, hein. Alors, on a les fous. Mais refait! Tiens, je vais juste te pulvériser, mon pote. Voilà, tiens. Vas-y, viens là. Vas-y. Tiens. Alors, le Durden Tailleur là. Durden Tailleur de quoi? Tiens, tu vas faire quoi en fait? Ok, vas-y. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Oh, bien. Mais. Il y a toujours un moment. Il turn. Il va come back. Tu comptes me faire languir longtemps? C'est tellement pas droit à l'erreur. En fait, j'ai l'impression limite il me fait limite un croche-patte quoi. C'est si dur. Allez. L'ambiance est délétère. Je veux ma revanche contre le tailleur. Quand tu prends trop la confiance, mais c'est très dur. En fait, moi j'ai pas le droit de perdre le focus. Allez, go. Je perds pas le focus. Première frappe, on la part. Mais voilà! Oh, ça commence très mal ce fight. J'aurais dû rester dans la forêt. Regarde. Je veux ma revanche, contre. On oublie. Je suis prêt. Allez. Non, parle pas. Aïe. Non. Oh là. Tu grides. Bah ouais. Ouais, de ouf. Je veux ma revanche contre le. En fait, il me déstabilise une fois, derrière il me termine. Je suis prêt. Ok, pas de bashing. Pas de bashing. Non mais voilà! Non mais... Mais... Regarde-toi dans le miroir. Il me tue en... Alors, par contre, du coup, on a pu compter. Il m'a tué en quoi? 4 coups? 5 coups? Pas de bashing. Ma revanche contre le...
Pas de bashing. Il m'a tué. Essaye de le lock. Ah mais non, moi je joue sans lock. Moi je joue pas avec le lock. Je suis prêt. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Non mais en fait c'est le premier coup, il me met trop mal. Tu voilà. Me faire languir longtemps. En fait, dès le premier. Mais voilà, il me met le premier coup, c'est mort. Genre c'est mort. Reload pour la thune. Mais non, mais on s'en fout. Allez. Je veux ma revanche contre le tailleur. Pas de bashing, pas de bashing. Pas de bashing. Esquive, c'est plus simple. Pour la première, je pense que je vais l'esquive, ouais. Je suis prêt. Ouais, ouais. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Maintenant. Ça se regarde, ça se regarde, ça se jauge. Non. Non ! Mais sérieux, il joue avec mes nerfs ! Il joue avec mes nerfs ! Regarde-toi dans le miroir et souviens-toi que ton ou... Oh, sérieux. Il joue avec mes nerfs. Qu'est-ce que... Je veux ma revanche contre le... Je suis prêt. Allez ! Voilà, le premier. Tu comptes me faire languir longtemps. Allez, approche. Non, non. Mais mec, mais... En fait, il me met un coup, c'est mort. Il me met... Oh là là. Derrière, c'est terminé. En fait, il me met un coup, derrière, c'est fini. Mon personnage ne peut plus rien faire. Je veux ma revanche contre le... Je suis prêt. Okay. Allez. On va arriver à Skellige, on va devoir mendier pour avancer, ça va être... Ah ! Ok. Voilà. Non mais... Alors, on a les foies ? C'est un enfer. C'est bon. En fait, quand il tape de loin, ça me déstabilise vraiment parce que... Ok, on recule. On dodge et on remet. Non, là, je suis mort. Voilà. Non. Tu ne me laisses pas le choix. Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires avec l'aide de Skellige. Yes ! Tellement content.
Merci Zulork pour le 2e mois, merci Antagonas pour les 100 bits, merci Miyoshito pour l'abonnement, Slid, pour le 4e mois, Sridin, merci pour l'abonnement, Kaz, merci pour le subgift et Papy Mulo, merci pour les 5 abonnements offerts. Waouh, merci beaucoup. Bon bah... Je suis nouveau champion avec un ratio de 1-10. C'est énorme. Oh my daium, merci pour le 8e mois. On a perdu que 2000 balles, donc ça va. Ça va, clairement, ça valait le coup. On a quoi d'autre maintenant? Un armurier peut en cacher un autre. Ouais. Oh, bon, on va aller à Skellige, hein, je pense. Ah, parler à Triss. Ouais, mais ça, c'est plus tard, du coup, j'imagine. On va devoir aller à Skellige. Hein. Au soir de leur vie, les hommes s'efforcent de se mettre en règle. Certains rédigent un testament, d'autres paient leurs dettes, d'autres encore renouent avec leur parentèle. Nidas, un vétéran endurci de Novigrad, souhaitait quant à lui s'acquitter d'une dette d'honneur en offrant la perle noire promise naguère à sa chère épouse. D'un âge avancé, il n'était plus en mesure de gagner Skellige, où l'on trouve les parcs à perles noires. Il se proposa donc d'engager Geralt pour l'aider dans sa quête. Du coup, c'est à Skellige, ça? Attends. Et c'est ça? Ça, du coup, c'est... Et c'est à Skellige. Bon. Attends. La carte. Merci Orzan pour le 38e mois d'ailleurs. Merci beaucoup. Orzan le boss. Ah, c'est vraiment un Skellige, hein. Bon, on va y aller, hein. Écoutez, messieurs, dames. Direction Skellige, comme on l'avait promis pour aujourd'hui. Cap sur Skellige. Trouver un bateau faisant route vers Skellige. C'est parti. C'est parti. Un petit contrat avant. Oh, c'est peut-être l'heure d'aller à Skellige, tu vois. Incroyable. Bah là, en vrai... Non, mais on va pas chercher non plus à... On va pas chercher non plus à faire durer le plaisir pour rien. Là, concrètement, j'ai plus grand chose à faire. Enfin, si, j'ai des quêtes secondaires, mais... Bon. Si tu veux, aller tuer un fantôme, parce que Jacqueline a peur des fantômes, ça va commencer à me fatiguer. Le Sloran se perd. Oui, après 2 mois à Novigrad. Oh là là, oh c'est maintenant. Oh, ça part de là. Oh, ça part de là. Hop, 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 ça part de... Oh là 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 là. Oh. Oh, de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Arrêtez d'enquiquiner les pauvres gens. Je perds mon temps. Ah, le capitaine là. Alors, on a son compte de petites cibles. Bon, on est parti là. Vous allez pas à Skellige, vous? On fait ça ici. Non. Bon. Oula. Oh, il va me vomir dessus. Il va me vomir dessus. Alors. Non. Oh non. Oh non. Oh, c'est limite, hein. Yes. Qui est le capitaine de ce bateau? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'entorche le cul. Ok, 1-0 balle au centre. Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas? Écoutez... Ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils n'ont pas été déçus, mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Super. Allez pas dévergonder nos donzelles. Super. Eh ben écoutez, on est sur le départ, hein. On est sur le départ. Merci Ninjack pour le 13e mois. Merci Tintin. Ah, c'est étrange de payer un abonnement à mon collègue préféré. Merci pour le divertissement parfois trop prenant pendant le télétravail. Merci pour le soutien.
Merci Tintin Ninjak. Alors c'est peut-être ici du coup. Merci Midwarf pour le 13e mois aussi. Ah. Dégagez. Ah. Ok. Vous partez à Skellige ? Ça fait ça une vie, sorceleur ? Je sais pas. Capitaine ? Ouais. On s'est foutre rien. Encore en train de cuver quelque part, j'imagine. Ouais. Vous voyez ça avec le capitaine. Wolverstone. Wolverstone ? Bon, au pire, on y va, ouais, au pire, on y va à la nage, hein. Sorceleur. Alors là, sur ce bateau, il n'y a pas de... Ouais. Ouais, je vais y aller à la nage, je pense, hein. Quoi ? Ah, mais ils sont en bas ! Attends, quoi ? Mais il y a quelque chose en bas, là ? Ah. Attendez. Mais non ! Attendez. Salut. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Allez, approche. Ça va ? Merde. Quoi ? J'ai fait quoi ? Attendez, oh, 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 j'ai fait quoi ? Je suis mort, là ? Attends. What ? Par des petits bandits ? Visage choqué, mais de ouf ? Attends, attends, mais what ? Trop facile à skip. Bon, ça n'empêche pas que le jeu soit... Oui, c'est pas parce que je meurs que le jeu, du coup, est dur, tu vois. C'est pas... Bah, le jeu est quand même... Non, mais soyons honnêtes, les combats, c'est pas quand même ce qu'il y a de plus complexe, quoi. Hop. Les sbires. Je pense qu'il disait que le jeu était simple il y a 10 minutes. Non mais attendez, oh, bah, attendez qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que tu meurs dans un jeu que du coup le jeu est dur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Je sais pas, tu joues en quel niveau de difficulté ? 4 sur 4. Enfin c'est pas... Ça veut pas dire ça. Ça veut pas du tout dire ça. Enfin... Il punit bien. Ouais, ouais, oui, par contre, il punit, effectivement. Quand tu fais une chute de 3 mètres, tu meurs. Effectivement. Effectivement. De toute façon, on s'en fout que ce soit simple, dur, quoi que ce soit. C'est pas... En fait, c'est pas vraiment la question. C'est pas vraiment la question. Moi, ce que je dis par rapport au gameplay qui est un des points négatifs du jeu, c'est juste que le gameplay est pas très intéressant. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Focalise beaucoup sur les défauts quand même, Pompon. Mais non, mais attends, mais mec, je le stream tous les jeudis, le jeu, je le kiffe de ouf, je passe des moments de fou. Attends, à côté de ça... Hop. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que là, c'est plutôt toi qui focalise sur le négatif. C'est-à-dire que je parle juste du gameplay. À côté de ça, le jeu, je le spam tous les jeudis. Je l'adore. Je passe des moments de fou. Je me tape des barres. Je veux dire, je suis pas en train de démolir le jeu H24 quand même. Quand même. Arrêtez d'enquiquiner les pauvres gens. Alors. Ok, il y a deux. Ok, il y a peut-être là. Peut-être là. Je vais aller là. Je vais aller là-bas. Comme eux-mêmes. Comme eux-mêmes. Quelle belle cuisse musclée. Merci. Merci beaucoup. Ah, j'ai des compétences à mettre ? Sérieux ? Ah ouais, j'ai un point de compétence. On avait... Mais c'est vrai que j'ai un point de compétence... on avait pris donc ça, fond de l'armure sur Igni, et ça c'était hyper pratique d'ailleurs. Je pense que je vais reprendre ça limite. Mais je crois que je peux pas. Non, je peux pas. Je peux augmenter ça ? Non, je peux pas. Ça par contre je peux. Est-ce que je fais ça ?
Perdez 60% d'adrénaline en moins lorsque vous subissez des dégâts. J'avais pris ça ? Sérieux ? J'avais pris ça. Ah ouais ? Il faut que je mette d'autres points pour pouvoir commencer à partir là-dessus. Points dépensés supplémentaires requis. 7 ? Ah ouais ! Et il y avait quoi là-bas ? Lorsque votre vitalité tombe à 0, vos points d'adrénaline sont utilisés immédiatement pour la reconstituer. La vitalité que vous récupérez dépend du nombre de points d'adrénaline utilisés. Si vous n'en avez aucun, seule une petite partie de votre vitalité est restée. Oh, c'est pas mal ça. Bah, je vais prendre ça. J'augmente ça. Ok. Ah, mais il est même pas. Ah, si, si, il est équipé, il est là. Ok, tac, 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 bim, bim. Si, si, j'ai tout là. Ah, il me manque ça, juste pas équipé. Technique de l'école du chat. Ah bah oui, ça c'est pas équipé ça. Ah bah si, elle est équipée là-haut. Ah si, si, j'ai tout équipé en fait. À la limite, j'aurais pu partir sur une nouvelle chose peut-être. Je vais prendre ça, il prend l'autre. Non, je prends détermination. Non mais en fait, je veux terminer détermination pour aller chercher immortalité parce que de toute façon... En gros, là, ils me disent que je dois, voilà, encore mettre 6 points. Donc, en gros, je vais mettre ça au max, puis ça au max. Ça fera donc 1 plus 5, ça fera 6. Et du coup, je partirai sur ça. Voilà. Oui. Et par contre, j'ai... En fait, en gros, j'ai 2 emplacements de libre, mais en fait, j'ai pas de nouveauté. Donc, je peux pas. Genre, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça, mais j'ai déjà... En fait, j'ai des emplacements de libre, mais j'ai rien, donc... Vous pouvez prendre immortalité. Oui, mais je vais quand même chercher ça à 5 pour aller chercher ça ensuite. Enfin, voilà. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre level 1 pour le placer. C'est pas grave, prochain niveau. C'est pas grave. Ça ne détruit pas notre game. Ça va aller, ne vous en faites pas. Ah, c'est lui le capitaine. Encore vous. Vous avez l'argent. 1000 balles ? Sérieux ? Pour ce qu'élige ? Mais non. Ok. Merci Dranox pour le 11e mois, merci Dudus pour le 6e, et merci Stuxi pour le 4e mois. Grâce à ces réabonnements, vous allez pouvoir payer mon voyage à Skellige, parce que quand même, c'est... C'est 1000 balles ! Voilà. Ça ira ? Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts ? Oui, mais vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez ? Alors, on met les voiles ? Ok, bon, moi, c'est peut-être la dernière fois que je suis sur Terre, quoi, si je puis dire. Sur la terre ferme, quoi. Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre. Boire ou conduire, il faut choisir. Il a choisi de boire pour conduire. C'est un choix. L'ambiance est délétère. Allez,
Wow. Ah, je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul là. Attends, l'archer est trop chiant. L'archer est vraiment chiant. On enchaîne, c'est bien ce qu'on produit, c'est bien. On y va. Ah. Dégagez, ou vous êtes mort. Vous ne me faites pas peur. Ça vous arrive souvent de faire les poches des cadavres. Je suis un homme des îles, étranger. Je ne sème pas, je ne récolte pas. C'est la mer qui m'apporte ma moisson. Vous étiez sur la Tropos, c'est ça ? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui, nous? Il avait peut-être un accord avec Lugos, mais pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi, ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Artkelly. Il y a une sorcière, Gertrude, sur le toit de Kra. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Amicale. L'affaire n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertrold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon, du coup, on s'est échoué ici. On arrive dans une nouvelle région, un nouvel endroit, messieurs, dames. Qui m'a l'air, ma foi, bien... Oula. Qui m'a l'air assez joli, effectivement. Ablette est là. Ablette va bien. Tout le monde est mort. En bas. En bas là. Oh là. En bas là, je me sers, hein. Ah oui. Là, ça me met très très bien cette affaire là. Mais par contre, tout le monde est mort. Il n'y a pas de personne. Personne n'est rescapé, ou alors ils sont partis peut-être. Ouais. Oh. Ils en avaient des ressources. Attends, mais notre bateau c'est lequel? Ah mais c'est celui-là peut-être. Mon médaillon vibre. Ah oui. Ce doit être un signe d'énergie. Ah!
Tranquille, aucune pression. Putain, vous êtes peut-être un peu nombreux là. Oh, let's go. Ah, je l'ai vu. Bien sûr que je l'ai vu. Allez, le petit point de compétence bénef là. Ok, évolution du personnage, découverte de nouveaux horizons. Ok, c'est pas mal. C'est dynamisant, je trouve. On y est. On est à Skellige. Très dynamique. Je sais pas ce que je récupère, mais je me mets bien, je crois. Tanière de sirène. Je sais ce qu'il me reste à faire. Attends, ben reste pas dessus, peut-être. Non, ouais. Par contre, c'est... Non. Bien sûr. On va remonter parce que je crois que j'ai pas tout loot. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Il est niveau 19. Oh let's go. Super. Il y a du cadavre. J'ai tout ramassé là ou pas? J'ai tout ramassé. Est-ce que là je peux rentrer? Ah ouais non, c'est verrouillé. Ok. Je vais loot effectivement là parce que je suis tombé mais il y avait des trucs. Pas mal. Là j'ai tout loot ou pas? Ouais, j'ai tout loot. Ok. J'avoue que c'est abusé comme t'as un naufrage et toi t'es le seul vivant, puis t'es en mode bah let's go, bah merci pour les ressources quoi, ça m'est bien. J'avoue. Bon, je crois que j'ai pris tout le monde. Hein. Je crois que j'ai vraiment tout pris là. Qu'est-ce qu'il y a? Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Encore? Mais non, mais je viens de le prendre. J'ai eu mon point de compétence et mon... En fait, j'ai eu mon point de compétence et un point en plus en axi, je sais pas quoi. Ok. Tu peux le prendre à l'infini, mais non. Ah mais oui, c'est le buff temporaire sur axi, effectivement. C'est pas du tout un... Oui, oui, exact. Oui, oui, oui. Il se régénère et c'est un buff qui dure petit temps quoi, exact. Tu utilises jamais tes autres sorts? Si, des fois Ken effectivement, ça me met bien. Ken ou Quen, hein, comme vous voulez. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout. Enfin je pense, je sais pas mais je vois rien. Ah. J'avoue que j'ai pas fait ça ici. Quen le survivant. D'ailleurs, avec tout ce que j'ai dépensé, il me reste combien de thunes? 3900. Oh, bah ça va! 3966, oh, man, ça va! Par contre, il n'y avait pas plus de thunes.
Il y avait pas beaucoup plus de thunes, parce que ne serait-ce que moi qui ai claqué les 1000 thunes. Thunes. Genre, il est où le capitaine? Je sais plus à quoi il ressemble, le capitaine. Peut-être boire un peu moins. Il s'est envolé avec ma thune. Ici. Non. Je comprends pas où est le cadavre du capitaine. Un site d'énergie. Je devrais y puiser. Je crois qu'on a compris, oui. Bon bah je sais pas où il est. En vrai je le trouverai pas je pense. Et j'ai l'impression que je le vois pas avec ma vision de sorcefleur. Bon, je regarde une dernière fois dans le bateau. Déjà de base, je pensais que c'était le bateau là-bas. J'avais pas capté que c'était celui-là au début. Genre là, en dessous. Là, je peux pas passer, c'est verrouillé. Et c'est verrouillé par quoi? Par une clé, peut-être? Il doit y avoir peut-être la clé quelque part, mais je l'ai pas. J'ai pas. On va bouger, et puis on récupérera jamais nos thunes, quoi. Ça fait... C'est le jeu. Petit tonneau ici qui met bien, par contre. Alors, la map, à quoi ça ressemble? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Skellige, donc Skellige, c'est une île. Ok. Ok, ce sont des îles. Ok, on va pas mal naviguer dans l'eau. Et montre si je monte la carte du monde. Ah, c'est un archipel. Non, j'avais jamais capté que c'est archipel de Skellige. Donc en fait, on est... Ah, on est parlé de Novigrad. On est parti de Novigrad, pardon. Et boum, on est allé à Skellige, qui est donc un archipel. Pas une île, mais un archipel, ouais. Ok, let's go. Merci Père Carbone pour le deuxième mois, merci Momo El Rey pour le deuxième mois aussi. John Snow, merci pour le 12e mois. Gaëtan, merci pour le 3e mois. Léouche, merci pour le 12e. Merci à vous. Ablette. Rendez-vous au port près de Kaertrold. Bah c'est parti. Merci Betaka pour le deuxième mois, merci beaucoup. Ah c'est une archipel? Ah c'est une archipel? Impossible. J'avoue que c'est le genre de mot... C'est une archipel? Ah ok. Oh Ablet. On y va. Une archipel, un archipel... Non c'est un, non? Attendez, je vais checker. Oh là. Je vais checker. Archipel. Non, c'est un archipel. Non, c'est un archipel, je viens de checker. Puis, je vais glisser le tout avec un peu d'hydromel. Le lendemain, ce
se réveille frais comme un gardon. Mmh. Il part à la chasse. Putain, pas mal. Ouais. Ok, natif de Skellige. Ok, bon, pas trop d'infos ici. Aïe. Ablette, cours. J'aurais peut-être pas dû prendre. Hein. Peut-être que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ah par contre, attendez, mais avec mon gameplay chat, est-ce que ça va pas être facile entre guillemets. Entre guillemets, attention. Hein. Dans le sens où ça a l'air d'être des gens avec des grosses armes. Ah. Et donc un peu lent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Yes. Hashtag je suis un chat pour réagir bien sûr à ce gameplay. Me faire languir. Ah ils sont trois, non. Quelle faille directement sur Skellige, messieurs dames. Zéro. Zéro. Ils m'ont dépillé. Ils m'ont pillé. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout volé. Ouais. Dépouillé. Pillé. Un mélange dépouillé. Ok, bah c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour nous, messieurs, dames. C'est maintenant qu'on commence l'aventure. C'est un nouveau départ. C'est parti. Ça part de là. C'est le jeu, on assume un peu les conséquences de nos actes, on assume les combats qu'on mène, on assume. Ok, go. Ok. Est-ce que je prends ma revanche? Non. Ah bah quoi que j'ai zéro. Vas-y, je prends ma revanche. Vous pensez que je peux récupérer mes thunes peut-être? Oh, ce serait énorme. Merci BTK pour le deuxième mois, merci Rage is my way pour le deuxième mois, Votez Extrême Centre, merci pour le cinquième mois, et Anaya, merci aussi pour le deuxième mois, merci beaucoup. Rendez-moi mes thunes. J'ai rien pris. Évite les ennemis. Rien pris. Il y a 28 couronnes. On check, on prend le temps. Je suis trop lourd, ils m'ont pas vu, je suis trop lourd. Ah non, il faut vendre. Ok, Ablette, on se casse. Merci Calvino pour le Prime, merci Jacoc pour les 3 ans, 36 mois, merci beaucoup. Merci Jacoc pour le 36e mois, c'est huge. Oh.
là il va y avoir des... Là il y a des marchands. Non? Attends-moi là, Ablette. Merci Marogas pour le 5e mois. Hello Kurama, merci pour le 8e. Merci beaucoup. Faudra vraiment leur régler leur compte. Du travail. Je me demande où ils vont le mettre. Sur le rivage de l'Arvik. Attendez, on va méditer. Jusqu'à 8h. Peut-être qu'on peut vendre. On a taillé le rondin. Reste plus qu'à le sculpter. Ok, maintenant le menuisier, est-ce que... Il n'y a pas de... Écoute, oh, merde, c'est une quête. On a un problème de muir diablen. Des noyeurs, quoi. Du genre qui résisterait pas à ton épée en argent. Laisse-moi deviner. Ils déchirent vos filets, boulottent vos prises, attaquent un marin de temps à autre, ou un type qui rentre de la taverne en passant par la grève. Si c'était que ça... Les terreurs de la baie sont plus vicieuses que celles du continent. Elles chassent nuit et jour, s'en prennent aux guerriers comme aux pêcheurs qui n'ont qu'une rame pour se défendre. La mer rend les premiers, armure en loques, tripes dévorées. Le mec derrière, qu'est-ce qu'il veut ? Il y a des témoins ? Rurik, mon apprenti. Il était à bord quand les murs d'Yeblen ont attaqué un bateau. Et Tov aussi, son homme a été tué. Elle vit près d'ici, à l'écart. Désolé. Ne vient pas d'autre nom. Ceux qui croisent les monstres, ben en général, on les revoit pas sur la terre ferme. Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. On va faire une négoce. On va faire une négoce de... Du max en fait. C'est une blague. Tout ça pour une poignée de bêtes marines? Pas question. Mec, mais sans moi, tu fais rien, en fait. C'est un truc. 310, pas plus bas. Trop cher, sorceleur. Trop cher. 305, pas plus bas. Trop cher, sorceleur. Trop cher. Trop cher, sorceleur. Trop cher. Bon, moi, je vais vous dépouiller. Je vais être obligé de vous dépouiller. 295, pas plus bas. Trop cher, sorceleur. Trop cher. C'est un peu chiant quand même. Il est dur en affaire quoi. On risque quand même notre vie pour lui hein. C'est pas donné. Mais ça vaut peut-être le coup. Ok. C'est d'accord. J'accepte. J'ai souvent eu affaire au noyeur. Ce sera vite réglé. Tu as ma parole. Alors. Ce sera vite réglé, mais avant ça, j'aimerais bien... Mauvais dracar, ni de mauvais temps. Oui, j'aimerais bien vendre à quelqu'un des choses, parce que je suis blindé. Il y a bien une auberge, quelque chose. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, en gros, j'ai volé des gens. Ils se sont retournés contre moi pour me tuer, ils m'ont tué, ils m'ont dépouillé, je suis revenu avec zéro de thunes. Voilà. J'ai vraiment rien. Voilà. Énorme. J'ai vraiment zéro. Quoique là, j'ai dû regagner un peu parce que j'ai volé. Ouais, j'ai 28 quand même. Yes. Petit peu de feu ici. Petite binge. Ça m'est bien. Merci Zigzag pour le Prime et merci Anouchka pour le 9e mois. Merci beaucoup. Ah. Il dînera à sa table en chantant ses exploits. Quoi ce bruit ? C'est une auberge ça ? Non ? Ah non. Gérald avait combien avant de se faire démolir ? J'avais 3007 je crois. Ça va, parce qu'on avait utilisé beaucoup pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Soif de gloire et d'or, lame et filet, pas peur de la mort. Dans ce cas, venez voir Bjorg, le maître charpentier, il a du boulot pour vous. Tous ces maudits muir, diablen, dans la baie de Caertrold, faut les zigouiller. Ils ont proliféré et sont devenus si féroces qu'on leur tombe dessus chaque fois qu'on quitte le port. Trucidez ces monstres et vous serez célèbre dans tout l'archipel. Et en plus, votre bourse sera bien rebondie. Ben j'en ai bien besoin.